Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Overgrowth. Un jeu de lapin? Eh ouais, alors, ne me jugez pas, j'essaye le jeu moi. Demain peut-être qu'on jouera un jeu de tortue ou un jeu de renard, j'en sais rien. En tout cas, on va partir sur le mode arène parce que ça me parle bien. Ok, c'est déjà parti, regardez ça, regardez comment que je vais les défoncer mon vieux. Vous inquiétez pas, je connais un petit peu le jeu, tranquille. J'ai déjà joué au jeu, fut un temps. Là, je le sors parce qu'il y a eu des nouvelles mises à jour. Attendez, je me casse. On aurait pu appeler ce jeu aussi Jean-Claude Van Damme Simulator, mon vieux. Regardez ça. Ou on back Simulator, comme vous voulez. Alors, c'est possible que vous m'entendiez spammer les touches. Bah, c'est tout simplement parce que je spamme les touches. Je vais vous montrer un petit peu les possibilités. Il y en a quand même quelques-unes. Regardez, par exemple, la possibilité, c'est que je peux sauter et je peux y mettre ça dans la gueule si jamais je le croise. Mais là, il l'a pas pris. Ou regardez-le, celui-là. Allez, hop. Prise du lapin. Hop là, prends ça. Alors, mon vieux. Hein? Alors surtout dans le jeu, ce qu'il faut faire pour ne pas perdre, bah c'est pas se faire défoncer déjà d'une. Et de deux, tiens prends ça toi, dégage. Et de deux, c'est pas faire une mauvaise chute. Faut surtout pas se briser la nuque en fait. Regardez, si on fait une mauvaise chute par exemple comme ça. Aïe aïe aïe, regardez. Et voilà, je me suis fait ce qu'on appelle le coup du lapin. Vous avez compris? Et vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à un vieux dessin animé, je m'en souviens. Je regardais ça sur la 3, sur une émission, ça s'appelait les Minicums. Et ouais, oh putain, je vais me faire défoncer. Et en fait, si vous voulez, le dessin animé, je sais pas si vous connaissez, le dessin animé en fait c'était 3 lapins samouraïs. Mais c'était excellent! Il était trop bien ce dessin animé, j'adorais mon vieux. Et putain, comment que je me fais martyriser? Je me casse! Hop là! Regardez ça là, les petits sauts de cabri que je fais. Ah oui, on peut aussi s'accrocher comme ça. C'est vrai, mais là par contre c'est chaud. Regardez, je vais vous montrer un petit peu comment que je gère le jeu. Regarde, et putain, comment que je me fais défoncer. Mais arrête, dégage, casse-toi. Je me suis fait démolir. Regardez, ce qui est bien, c'est que normalement si je m'y prends bien, je vais pouvoir le désarmer lui. Regarde, 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 putain, je me fais démonter pour le moment. Je me suis fait démonter. Et il est un petit peu sanglant quand même, hein. Allez, vas-y, viens. Crac. Loupé. Allez, vas-y, les deux d'un coup, là, je vous prends, là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, la calotte que j'ai pris, mon vieux. Mais laisse tomber, mais il m'a envoyé dans les pâquerettes quoi. Alors, vous savez ce qu'on dit, hein. Vif comme une coccinelle, rapide comme un lapin, mon vieux. Tiens, prends ça. Allez, viens là, toi. Vas-y, viens. Tiens. Ouh, il se laisse pas faire. Il se laisse pas faire. Il se rebelle. Il se rebelle. Tiens. Voilà. Alors, ça te fera les pattes, mon vieux. Oh, il en demande. Il en demande. T'en demande. Regardez la prise que je vais y faire. Attends, voilà, c'est toujours délicat à faire les prises. Mais quand ça passe, je peux vous dire que c'est nickel. Tiens. Hop là, regarde la petite patate qui fait plaisir. Allez. Et plus ça va, plus vous allez voir que va y avoir des concurrents. Ouh, allez, tiens, prends ça. Voilà, crac. Allez. Putain, comment qu'il s'acharne dessus. Ouais, plus ça va passer, plus va y avoir des concurrents en fait. Oh, comment qu'il... Putain, ce qu'il m'a mis lui. Allez, viens, je t'attends. Il est où? Il est là. Crac. Oh, je lui ai mise. Je lui ai passé la prise du lapin, mon vieux. Il a rien compris. Ok, et nous revoici dans une nouvelle arène. J'ai voulu tester un petit peu une nouvelle... Putain, mon vieux. J'ai voulu tester une nouvelle arène un petit peu, mais comment qu'il me la met là? Je vais te montrer c'est quoi un vrai lapin, regardez, je vais le désarmer. Oh putain, comment qu'il... Est-ce qu'il m'a mis? Laisse tomber. Regardez bien la technique de lâche que j'utilise. Je me mets sur le bord, j'attends qu'il arrive, et je le dégage, mon vieux. Regardez, technique de lâche, la technique du lâche. Allez, viens là. Non! Ah, il m'a fait la technique du lâche. La contre-attaque de la technique du lâche. Et franchement, ce jeu, je le connaissais déjà il y a un moment, mais là, ça fait pas longtemps, ils ont fait une mise à jour. Et franchement, comment que ça déglingue? Oh là là! Regardez, je crois bien qu'ils ont rajouté un coup de pied sauté. Je m'en souviens plus s'il y était ce coup de pied sauté. Merde! Ah non! T'inquiète, mon vieux, j'ai regardé tous les films de Van Damme. Tu vas pas me la faire à moi. Kickboxer, double impact, Bloodsport, full contact. T'inquiète! Alors, d'ailleurs, ça me faisait penser à une petite blague. Vous savez ce qu'il fait Jean-Claude Van Damme quand il rentre dans une voiture? Il fout le contact. Vous avez compris? Oh putain, ce que je me suis pris. Viens goûter à la technique du lâche, toi. Tiens, alors je vous ai pas montré mais il y a une autre technique, j'aime bien l'utiliser aussi. Ça c'est vraiment la technique que tu utilises en dernier recours. Ça s'appelle la roulette de maître lapin. Vous allez voir, regardez, regardez, il me suit là, hein, regardez. Hop là, roulette mon vieux, il a rien compris et tac. Mais celle-là c'est vraiment en dernier recours que je l'utilise, hein. Très bien mesdames et messieurs, on change d'arène. On passe tout de suite à un nouveau terrain de bataille mon vieux. Tiens, alors j'espère que ça te fait les pattes. Et celle-là aussi tiens d'ailleurs. Oh là là, ce que je lui ai mis, il a rien compris. Allez, roulette. Tiens, je sais que normalement je l'utilise en dernier recours, mais quand ça veut pas, tiens, prends ça, dégage. Allez, t'as un petit couteau? T'inquiète, j'ai un couteau aussi. Vas-y, t'inquiète. Regardez, regardez le coup de pied retourné que je vais y mettre dans la gueule, il va rien comprendre. Oh putain. Allez, crac. Oh. Allez, vas-y. Merde.
Oh putain, mais ce que je me mange, mais arrête là, dégage. Je me prends trop de trucs dans la gueule là, c'est pas possible. Vas-y, déglingue-le. Vas-y. Putain, je vais y aller en mode comme ça, mon vieux. Mais non! Rappelle-toi de ton entraînement et souviens-toi que la ruse du lapin est supérieure à la force. Et rappelle-toi du proverbe, deux pattes de lapin valent mieux qu'une. Puise la force qui est en toi et maîtrise la technique de la patte usée du lapin. Oh, ce que je leur mets depuis tout à l'heure, mon vieux. Ils comprennent plus rien, là. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Hein? Tiens, tu veux faire le malin, toi? Dégage. Vous inquiétez pas, je gère. J'ai appris à gérer mon lapin. La fameuse technique de la patte rusée du lapin. Elle marche à tous les coups. Tiens, prends celle-là, mon vieux. Alors, bon, les gens, je crois avoir testé la totalité des arènes sur cette partie. En tout cas, eh ben franchement, il est bien cool, le jeu. Il est bien sympa. C'est un bon petit défouloir. Et surtout... N'oubliez jamais, la ruse du lapin est plus forte que les bras du colosse. Eh ouais, alors n'oubliez pas de mettre un petit like si ça vous a plu. Ciao tout le monde.